j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est toujours au Magic Circus, donc on est toujours à l'hôtel à côté de Disney. Aujourd'hui Alex et Mila retournent à Disney pour une deuxième journée, donc eux vont bien se marrer. Moi je devrais bien m'amuser aussi, mais je vais pas à Disney avec eux. Je vais faire quelque chose, en fait je suis pas très certaine de ce que je vais faire, mais je pense, donc on m'a contacté pour participer à une session best-of. Alors je pense que le best-of c'est un magazine parents, bébés, maman, etc. Et en fait je participe au test de certains produits pour la partie test du magazine. Il me semble que c'est ça. En tout cas j'ai été invitée par une demoiselle très charmante, donc j'ai dit oui, mais je suis pas certaine de ce que je vais faire, mais je pense que c'est ça. Et de toute façon je vais vous prendre avec moi, mais du coup j'ai une heure de route pour partir et je devrais déjà être partie depuis un moment. Comme d'habitude je suis en retard, je suis à la bourre. Oh, tout à l'heure mon bébé. T'es sage. J'étais mon amour. Tu vas avec papa voir Mickey? Dis Mila, tu vas avec papa voir Mickey? Mila. Oh, Nini. Nini. Nini, elle est en train de faire dodo dans la valise. Je vous ai pas pris avec moi parce qu'en fait j'ai testé plein de choses. Je vous montrerai ce que j'ai eu parce que j'ai pu récupérer tout ce que j'ai testé, c'est trop cool. Et du coup voilà, c'était dans les locaux de Parole de Maman pour celles qui connaissent ce magazine, etc. Et là on va aller manger, je vais aller manger avec elle et ensuite je vais rejoindre tout simplement Alex et Mila à Disney. J'adore Paris, je suis fan. J'aime les bouchons, je suis archi fan, j'adore, mais comment on peut vivre ici? C'est pas possible. Quand je vois le prix des loyers, quand je vois la circulation, mais c'est juste l'enfer quoi. À part ces bouchons, c'était super cool les tests de produits, le coffre est rempli de trucs, je vous montrerai, il y a des jouets pour Mila et tout, elle va être trop contente. Là je vais rejoindre Alex à Disney du coup, parce qu'en fait il est 14h, je pensais finir beaucoup plus tard. Donc oui, je suis en train de conduire en même temps que je vous parle, donc je vais arrêter ça tout de suite. Alors je viens d'arriver sur le parking de Disney là, donc je vais rejoindre Alex. Je vous montre rapidement les trucs que j'ai eu du coup après la session best of. Donc en fait le best of c'est, je pense que ça sort deux fois par an et c'est le best of du magazine en fait. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça, j'avais pas tout compris. Donc j'ai reçu un tas de trucs, j'ai reçu ça déjà, Mila va être super contente. C'est un tutut de VTEC. J'ai reçu une lampe ici pour la nuit qui fait des espèces de trucs au plafond. J'ai reçu une gigoteuse, bon il y a des choses qui me serviront pas parce qu'elle est trop... voilà, Mila est trop grande maintenant, mais bon ce sera pour un prochain bébé. J'ai reçu une poubelle à couche qui est juste géniale. Des petits jouets comme ça. Et un tas de produits, ça c'est une couche lavable, enfin un tas de trucs, de plein de super marques, un petit sac à dos comme ça, c'est un flamant rose, enfin vraiment plein de trucs trop chouettes, je savais pas que j'allais revenir avec tout ça en fait. Donc c'est super cool et là-bas ils étaient super sympas, donc je suis vraiment contente d'y être allée, voilà. Donc je vais rejoindre mes asticots à Disney. J'ai l'impression que je suis à Disneyland depuis une semaine alors que j'y suis venue qu'hier. C'est très bizarre cette sensation. J'ai oublié mes clés de voiture. Avec mes clés de voiture, c'est mieux. Mon amour! Mon bébé! Ça va, mon amour? T'es contente? T'es contente que maman est là? Tu me fais un bisou? Oh, merci, mon cœur. T'as eu du Fanta? C'est quoi? Non, on l'a pas encore eu. On va faire. Ça, et en fait ça c'est la maison de Mickey, donc avec le générique etc, mais là elle aime trop et on l'a pas fait hier, donc on va faire aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est cool, on est tout devant, j'espère qu'elle va bien voir. Niska, Moska, Mickey. On est sur le retour. Mila est là, elle a eu son petit bateau.
des techs que j'ai ramené de là-bas. Du coup, elle est contente. Dans le tas, il y avait aussi ça. Elle a jamais goûté des biscuits comme ça, je les avais jamais vus. C'est des carrés bananes. Le goût de goût. Et du coup, on retourne à la maison, comme ça, on va pas rentrer trop tard pour une fois. Il doit être 18h, donc on a 2h30 de route pour rentrer, voilà. Alors, je vous reprends maintenant avec une tête fatiguée, parce que je suis très fatiguée. On est rentré il y a une bonne heure à la maison. Mila est partie au dodo. Alex bosse sur son ordi, je pense. Moi je suis en train de faire de répondre à mes mails etc, parce que j'ai énormément de retard de mails. Je suis toujours en retard pour tout de toute façon, comme ça c'est réglé, mais j'ai vraiment beaucoup de retard de mails. J'ai pas mal de gens qui me râlent dessus parce que je ne réponds pas aux commentaires en message privé sur Facebook et sur Instagram. Alors sachez que j'essaie de répondre en dessous des photos de temps à autre. Je réponds à quelques messages etc, mais par contre en MP, je ne sais même plus ouvrir ma boîte sur Facebook. Je sais plus, il y a une des deux boîtes, je sais plus si c'est Instagram ou Facebook, il y en a une des deux qui est complètement en bug, complètement saturée. Donc sachez que c'est pas la peine de m'insulter en dessous des vidéos YouTube parce que je ne réponds pas à vos messages. Je ne sais plus les lire. Faut savoir que je reçois genre, je sais pas, sur Instagram en MP, je dois recevoir 100 messages par jour. Enfin, je sais pas trop, je compte pas quoi, mais j'en reçois énormément et je ne peux pas suivre hein, de toute façon. Donc concrètement, je ne peux pas y répondre. Voilà. Voilà. Et je sais que beaucoup ne comprennent pas ça, mais je suis désolée, je n'ai pas le temps. Hein. Donc voilà, vous pouvez m'en vouloir, vous pouvez me dire que c'est pas bien, mais j'y peux rien, je n'ai pas le temps. C'est soit je fais des vidéos pour vous faire plaisir, etc., pour faire plaisir aux gens qui aiment mes vidéos. Soit je ralentis les vidéos, j'en fais beaucoup moins, ou je réponds aux messages privés sur Facebook, etc. Enfin, il faut choisir, je ne peux pas tout faire, j'ai pas envie d'être sur un ordinateur H24, c'est pas possible, moi j'ai une vie, j'ai pas envie. Voilà, j'espère en tout cas que vous comprenez ça, parce que j'essaye vraiment toujours de vous faire des bonnes vidéos, même quand on part quelques jours en repos, enfin en repos, en espèce de vacances, etc. Je vous fais toujours des vidéos... au ski, j'ai même fait une vidéo supplémentaire qui au final n'a pas, je pense, n'a pas tant plu que ça, alors que elle m'a fait galérer. Enfin, j'ai passé des heures et des heures pendant mon séjour pour la monter. Donc voilà. Enfin, j'essaie toujours de vous faire des bonnes vidéos, etc., pour que vous soyez aussi contents. Et du coup, je peux pas toujours répondre aux commentaires. Je préfère faire des vidéos que répondre aux commentaires, même si je lis les commentaires en dessous des vidéos et en dessous de mes photos Instagram. Voilà, tout ce qui est MP, message privé, MP, je suis désolée, tout ce qui est message privé, je suis désolée, très honnêtement, je n'essaie même plus d'aller ouvrir mes boîtes mail. Donc voilà. Ce qui est de ma boîte mail que je suis en train de ranger, de trier, etc., normalement c'est que des mails pro, donc c'est des demandes de marque, ce genre de choses, c'est plutôt cool pour moi, mais j'ai tellement de messages de tout, de pub ou de ce genre de choses, mes boîtes sont saturées de partout. Et du coup, c'est pour vous expliquer en fait que même mes demandes professionnelles, je n'ai même pas le... Je galère quoi, je n'arrive pas à suivre avec... C'est mélangé, c'est tellement mélangé. Ça aussi, dans mes mails, je dois recevoir une centaine de mails par jour. Enfin, vous imaginez, là je suis partie 3 jours, donc pendant 3 jours j'ai pas fait mes mails. Je vous explique pas la tonne de trucs que j'ai. Et je sais pas par où commencer, je suis complètement à la ramasse quoi. Bon, du coup je vous raconte un petit peu ma vie, hein, voilà. À part ça, je vous ai aussi promis plusieurs concours. Alors je vais revenir dessus tout de suite parce qu'autrement vous allez encore plus m'en vouloir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire, parce que les concours aussi, quand je les fais en partenariat avec une marque, la marque elle met toujours 200 ans à contacter le gagnant. Après je m'en prends plein la tête à chaque fois, j'en ai marre franchement. Et quand c'est moi qui dois envoyer le colis, ben je prends beaucoup de retard aussi, parce que voilà, j'ai un milliard de trucs à faire. Je sais que vous voyez pas toujours en vidéo, mais du coup je prends du retard et après ça me fait des... Voilà, ça me pèse sur le dos, parce que ça me fait des embrouilles sur le dos en fait. Et j'ai pas envie de tout ça. Donc je dis pas que je vais plus faire de concours, hein, je dis pas que je vais pas faire ceux que j'ai dit que j'allais faire. Je vais les faire, mais franchement je suis pas pressée de les faire, parce que pour le moment j'ai beaucoup de choses à faire en vidéo, etc. Et j'ai pas le temps de... Du coup, si j'organise un concours, je vais pas avoir le temps d'envoyer tout de suite. Et je sais très bien que je vais m'en prendre plein la tête après. Donc je préfère attendre un petit peu pour ça aussi. Sur ce, j'espère en tout cas que le vlog de Disney d'hier il vous a plu. Si vous l'avez pas vu, je vous mets là. Dites-moi si ça vous a plu. Je sais pas si ça vous plaît de voir Disney, parce que je sais...
que nous on y va souvent, genre on y va tous les deux mois, du coup je suis plus certaine que ça vous plaise, de voir nos vlogs à Disney. Du coup je sais pas si je vais encore vloguer Disney parce que j'ai l'impression, enfin je sais pas, j'ai peur que ça vous saoule et du coup j'ai pas envie de poster des trucs qui vous saoulent, donc voilà. Dans tous les cas, bah, j'espère que les vidéos vous plaisent toujours et je vais vous dire à demain, je vais continuer à bosser sur mes mails. Je vais uploader ma vidéo pour que vous l'ayez ce week-end, donc ma morning routine, enfin. Franchement la vidéo elle aura traîné une semaine alors qu'elle est faite depuis belle lurette. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Gros bisous à tous.